Je vais lancer une recherche aussi. J'oublie tout le temps de lancer des recherches. Il faudrait que j'en fasse vraiment sans arrêt. Ça va être quoi? Ça va être de la génétique peut-être. Hein. Non, ça va être ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Viabilité. Parce que du coup, je vais pouvoir mettre de la viabilité 2.0 sur mon centre de création. Et par conséquent, je pense que j'aurai beaucoup moins de chance du coup de me planter. J'aurai beaucoup moins de chance de me planter quand je commencerai à faire des dilophosaures. Est-ce que vous allez bien, les petits dinos? Est-ce que vous êtes en forme? Ça va? Ça va, toi. Toi, t'es la forme. Putain, il manque de bouffe encore, c'est un truc de ouf. J'ai pas envie qu'il casse des enclos parce qu'il manque de nourriture, quoi. Dinosaure mort, on ira regarder ça après. Mais il y en a de la bouffe, 8 sur 10, les gars. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je peux même pas cliquer sur toi. La bouffe, toi, ça va. Donc eux, ils ont assez à manger, les ceratosaures, mais les vélociraptors, ils sont pas fans. Mais bouffez-moi ces chèvres. Bouffez-moi ces chèvres. Attends, je vais remettre un truc, du coup. Et je vais en profiter pour mettre une tour d'observation, pour que les gens puissent voir un petit peu mieux. Parce que là, du coup, celui-là, il couvre cette zone-là, c'est pour ça que j'avais mis au départ des mangeoires ici. Mais l'autre zone n'est pas couverte. Donc il va falloir, hop, ici... Alors, non, il faut le faire rotationner. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Ok, si je le mets là, ça fait ça. Si je le mets ici... Non, je vais le mettre là, de toute façon. Je vais le mettre là et je pourrais même en mettre une deuxième. Non, j'ai tellement de pognon. Hop. Le distributeur de chef, c'est pas le mieux pour la bouffe, vaut mieux l'autre truc. Très bien, d'accord. Non, faut que je le relie à une évidemment à une route, sinon ça n'a aucun sens. On m'a demandé tout à l'heure si j'avais fait Bioshock et si j'aimais bien Bioshock. J'aime beaucoup Bioshock. J'ai fait le premier en entier. J'ai commencé le deuxième, j'ai pas fini. J'ai fait le Infinite aussi en entier. Et c'est des jeux que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien ce genre de FPS. Pardon, excusez-moi, je baille. J'aime bien ce genre de FPS que je trouve assez cool. Et je suis en train de faire un peu dans le même style, alors même si pas exact. Oh, oui, c'est vrai que j'ai un dinosaure mort, il faut que je regarde. Qui est mort? STR-003, ok. J'ai fait... je suis en train de faire, d'ailleurs, Prey. Enfin, je suis en train de le faire. En fait, je suis en train de le faire, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué. C'est juste, c'est une partie très longue. J'aime beaucoup Prey aussi, je le trouve super cool. Même si un peu dur, et pour tout vous dire, Prey est un jeu que j'ai mis en facile, comme un loser que je suis, parce que j'ai commencé une partie en normal et je me suis fait défoncer. Parce que je suis pas très bon en infiltration et en tout ce genre de trucs. Donc je me suis fait défoncer et donc je me suis dit bon tant pis, je le fais en facile ce jeu là. Donc je suis en train de le faire en facile, du coup il est simple. Je le fais, j'ai pas trop de problèmes. Mais superbe jeu, Prey, vraiment cool, je le recommande d'ailleurs si vous l'avez pas fait. Vraiment excellent. Et voilà. Et à l'occasion, j'aimerais beaucoup. Ouais, le premier Prey, Romain. J'aimerais beaucoup faire. Comment il s'appelle? Merde. Ah! System Shock 2. System Shock 2 qui apparemment est un peu le jeu qui a lancé cette mode de jeu. Et pourquoi pas celui-ci le faire en live? Je l'ai, en plus je l'ai acheté il y a un moment. On pourrait le faire, System Shock 2. Si ça vous intéresse, des jeux un peu rétro. Je pensais que ce serait un jeu que je ferais un peu en mode Blade Runner. Peut-être faire une vidéo dessus, parce que c'est des vieux jeux qui sont parfois un peu oubliés et qui méritent d'être... Oh là là, c'est de la maladie, il y a de la maladie. On va réparer tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'as une petite rhinite, hein. Oui, vous avez souvent des petites rhinites, c'est pas grave. On va vous aider. C'est R, la touche. Équipe de garde. Ajouter une tâche. Hop. Tâche confirmée. Tâche confirmée. Je vais incuber quelques dinosaures supplémentaires, et notamment des petits Struthiomimus. Je vais modifier le génome. Qu'est-ce que je peux faire? Aride, ça me va. Non, je vais le remettre par défaut, son apparence, tiens. Hop. Non, ça fait monter son espérance de vie, c'est très bien. Ça. Ça aussi, ça fait monter son espérance de vie. Je vais faire ça. Et ça, je pense que ça aussi, ça va faire... Non, ça fait descendre son espérance de vie. Par contre, ça l'a fait monter, donc on va garder ça. On va garder celui qu'on a et on va incuber. On va en mettre deux d'ailleurs.
Voilà, on va voir un petit peu leur niveau de satisfaction. Oui, tout se passe bien pour ce Triceratops. Se passe bien pour celui-ci aussi. J'en ai combien ? J'en ai que deux ? Ah, j'en ai que deux ? Oh, on pourrait leur en faire un de plus, tiens. Le prochain qu'on fera, c'est ça. Ok, recherche de viabilité 2.0, c'est amélioré, donc on va pouvoir immédiatement faire nos petits dilophosaures. Carte des expéditions, je vais en relancer une. Pour un truc un peu plus varié, je vais changer un petit peu. Okay. Ah, Dracorex, il y a du Dracorex à foison. Donc, je vais essayer de faire ça. Hop, prélever de l'ADN. Prélever de l'ADN. Hop, ça c'est bon. On va faire ça et on va balancer 69% plus 10%, ça va. Donc je vais encore rajouter amélioration de la viabilité. On s'en fout si ça prend du temps. On va essayer de rendre le truc le plus viable possible. Et là aussi, je vais le faire. Hop. Là normalement, donc j'ai 20, à mon avis je vais avoir 40 de plus, c'est ça que ça veut dire, donc je suis complètement à 100%, plus 40. Je suis full à 100%, tout va bien, on va incuber le bordel. On va en mettre 2, tiens. Voilà. Question qui n'a rien à voir, mais le Retro Achievements de Mario va-t-il reprendre Karim ? Oui, ça va reprendre, mais j'attends un peu parce que j'ai encore un peu mal au pouce à cause de ma petite entorse que je me suis fait. Donc ça, là, en ce moment, je peux jouer avec ma petite souris verticale que j'ai achetée. Donc j'en parlais tout à l'heure, je me suis acheté une petite souris verticale, c'est très plaisant. Ah putain, la réserve est vide. Je vais la réparer. Hop, hop. Demande de ravitaillement bien reçue. Donc ouais, pour les jeux PC, il n'y a pas de problème. Les jeux PC, je peux y jouer à peu près tous parce qu'avec cette nouvelle souris, ça va. Parce que mon pouce a plus besoin de pincer en fait la souris. Mais par contre, pour les jeux manettes, je vais attendre encore. Je pense dans quelques, ça va être dans quelques jours, hein, ça va être dans pas longtemps, dans une semaine, mais pas tout de suite. Et je les reprendrai et on va enfin putain pouvoir faire ce putain de monde 8 en entier avec, il m'a fait chier. C'était compliqué. Hop. J'ai plus de viewers que la NASA actuellement. Merde. Bah non, allez voir la NASA les gars. Une souris verticale qui courait dans l'herbicale. Merci beaucoup Artiboum Chaka. Je t'applaudis et je te balance des poupoum piches. Parce que tu le mérites. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé Dark Meat Boy? Qu'est-ce qui t'est arrivé Karim, pardon, me dit Dark Meat Boy. Je me suis cassé la gueule, je l'ai raconté l'histoire. Je me suis cassé la gueule en allant faire les courses comme un loser que je suis. C'est pas du tout palpitant, mais je suis tombé sur mon pouce. Et donc ça a fait aïe. Ça a fait ouïouïouï. Mais en plus c'est relou parce que du coup je suis allé à l'hosto et ils m'ont fait une radio et tout et ils m'ont dit dans 2 semaines ça ira, c'est une petite entorse quoi, et ça fait un mois et demi et j'ai encore un peu mal. Par contre j'ai de moins en moins mal jour après jour, c'est pour ça que je m'inquiète pas et que j'y retourne pas, mais pour l'instant je suis sur une bonne pente. C'est quoi le nom du jeu que t'as joué avec Antoine, Daniel, le truc où tu dois choper l'espion? C'est Spy Party, on va en refaire d'ailleurs, on a prévu, c'est de ma faute si on en a pas refait. Merci beaucoup Dr Petit Dave pour les 100 bits, tu me fais un bisou en plus que je te renvoie avec grand plaisir. Merci à toi, ça fait plaisir et merci d'être aussi fidèle et de venir super souvent sur mes streams. C'est Spy Party ouais, et c'est de ma faute si on n'en fait pas. Parce que du coup Antoine m'avait proposé d'en faire aujourd'hui, d'en faire hier, mais hier je ne pouvais pas parce que je faisais autre chose. Mais on va en reprendre, on va en refaire grave du Spy Party, c'était super cool. Le cancer du pouce, non, peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Ben va chez le médecin. Non mais là ça, je te dis ça va de mieux en mieux et en plus les médecins c'est compliqué dans ma petite ville, c'est pas complètement un désert médical mais c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. C'est pour ça que je suis allé à l'hosto d'ailleurs, parce qu'au départ en fait quand je me suis fait mon entorse au pouce, je suis allé juste chez la pharmacie quoi. Et j'ai demandé tiens, est-ce que vous pensez qu'il faut que j'aille voir un médecin ou pas, parce que ça gonfle, parce que mon truc avait triplé de volume, hein, j'avais un pouce énorme. Et donc la pharmacienne me dit ah non, faut immédiatement aller. Le voici le Dracorex, il est adorable. Il faut immédiatement aller faire une radio en fait, il faut que vous alliez chez le médecin. Parce que c'est, y a peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être une fracture et il y a vraiment une énorme, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un œdème, ça avait grave gonflé en fait. Et donc j'ai essayé de trouver un médecin, je n'ai pas trouvé. Et c'est pour ça que je suis allé aux urgences. J'ai passé 4 heures aux urgences, très très long. Très 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 long. Donc autant me dire que là où je suis, quand tu vas chez le médecin, c'est t'en as besoin quoi. C'est vraiment, tu ne fais pas chier, tu ne fais pas perdre du temps aux médecins parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont des trucs graves, tu vois. Donc voilà. Ok, c'est à la cool.
Donc, est-ce que ça a bien avancé, nos amis? Oui, ils sont à 100%. Et c'est parti pour un nouveau dino. Je me tais pour vous laisser profiter de la musique qui va se déclencher au moment où je vais transférer le dinosaure. Je transfère le dinosaure. Vous avez fait un travail époustouflant. Les yeux de Dilophosaurus, situés sur les côtés comme chez presque tous les prédateurs, l'empêchaient de voir devant lui. Du coup, il chassait grâce à son odorat. C'est toujours le cas chez de nombreux prédateurs actuels. On regarde un petit peu pour voir comment il se comporte. Putain, c'est tellement cool, j'adore ce jeu. Je vais immédiatement lancer le... Parce qu'il faut qu'il ait un pote. Et je vais re-regarder ce truc, parce que... Ah, merde, un combat. Non, je vais pas regarder ce truc. Un combat entre Dilophosaurus et Raptor. D'accord, donc il va falloir les segmenter, en fait, je pense, les enclos. Voilà, ça se bouffe. Putain, et je viens d'en libérer un autre, en plus. Je pense que le Dilophosaurus va se faire défoncer. Je pense qu'un raptor peut l'éclater. Mais après, c'est parce que aussi dans le film... Ah merde. Ah d'accord. Alors c'est pas... Les combats finissent pas forcément par des morts. Il y en a un autre qui se déclenche immédiatement. Ils s'aiment pas. Putain, les raptors Dilophosaurus, ça ne fait pas bon ménage. Enfin, là par contre, il est super mal en point. Ah, il s'est éclaté. Ouais. Ouais, bah GG mon petit raptor. On t'applaudit. Je vais soigner du coup. Bah, on a un dinosaure mort, un dinosaure attaqué, donc je vais soigner. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Ah bah oui, ça je l'accepte parce que c'est 4 minutes sans rien en fait, c'est trop simple. Je vais le faire soigner. Ah non, c'est pas eux. Putain. Non, ça va, j'ai cru qu'il poursuivait un autre. J'ai cru qu'il avait pris la confiance en mode. Alors, hop, je vais. Non, c'est pas l'hélicoptère que je veux. Putain, c'est chiant qu'on soit obligé de faire ça. C'est chiant qu'il y ait deux types d'hélicoptères différents en fait. Il pourrait ne rien avoir que. On va chercher la cible. Hop. Un combat s'est déclenché. Toujours Raptor contre Dilophosaurus. Putain, les Raptors ils sont pas du tout contents de voir des Dilophosaurus se balader. Il faut que je fasse un autre enclos. Il faut que je fasse un enclos spécifiquement pour les Dilophosaurus. Là, il va le bouffer. Dans la slot. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Oh là là, le carnage. J'étais tellement content d'avoir des Dilophosaurus, putain. Ok. Là, tu te régales. Au moins t'as plus de problème de nourriture, hein. Petite futée. Ok, très bien. On va envoyer. Est-ce qu'on peut envoyer plusieurs gens nettoyer les cadavres? Je pense. On part récupérer la cible. La cible est en cours de transport. Ok, donc il va falloir que je fasse un nouvel enclos, je suppose, parce que. Ah oui, alors, ça c'est une question que je me posais. L'entrée de mon labo de création, enfin la sortie pardon de mon labo de création est là. Ce qui signifie que je peux pas en fait compartimenter on va remettre de la bouffe là-dedans. La mangeoire sera bientôt rentrée. En fait je peux pas compartimenter le truc parce que le dinosaure il va forcément sortir par là quoi. Donc si jamais je mets un enclos, enfin si je mets des clôtures ici là, bah ça veut dire que mes dinosaures ils sortiront tous dans le même enclos. Donc en fait il faut créer un nouvel enclos, je pense qu'il n'y a pas moyen de faire ça autrement. Ah, c'est ok. Ah par contre ouais non, je peux scinder en deux et faire un deuxième labo, mais
Est-ce que j'ai besoin de faire un deuxième labo ou est-ce que ça peut être juste un sas, en fait, juste une ouverture, c'est ça que je me pose. Faut faire un sas avec deux portes. Ok, donc, alors attendez, les sas, ils sont où? Je vais voir juste vite fait. Galerie panoramique, plateforme panoramique, gestion des joueurs, c'est en haut. Ça, c'est une porte, mais pour les... Ça, c'est un labo. Alors, je vais essayer de compartimenter ce truc-là en faisant une zone qui va faire... comme ça. Ça va être ça. Obstruction ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, non, je peux pas partir de là, faut que je parte plutôt d'ici. Hein. Trop près d'un dinosaure. Mais pars-toi ! Pars-toi ! Dégage ! Mais t'es relou. Bon, c'est pas grave. Ah ! Bon, c'est pas grave. Je vais faire autrement, je vais partir de là. Mais oui, mais là, il va me... Bon, il faut que je réfléchisse à comment le découper, en fait. Déjà, d'une part. J'ai un assez gros cercle. Je peux faire des zones, genre en mode comme ça, une zone de ce côté-là pour mettre... Tu mets 4 murs avec 2 portes pour le sas. Alors attendez, bougez pas, je vais lire ce que vous me dites parce que du coup, là, vous m'aidez. Le sas marche, mais ça demande du monitoring. Faut faire un sas et les déplacer par hélico. Ok. Tu peux toujours... vous avez raison, en fait, je peux toujours séparer l'endroit et les déplacer par hélicoptère, hein, au pire, du pire. Ou tu compartimentes et tu déplaces le nouveau dino quand il y a besoin. Donc de toute façon, je peux faire un compartiment à la cool, mais le mieux, c'est de mettre un sas. Par contre, le sas en question, il... Contrat quand terminé, les visiteurs se sentent en sécurité, c'est l'ambiance du parc tout entier qui s'en ressent. Ce contrat valait tous les efforts que vous avez fournis. En fait, ce qu'il faut, c'est... Mais le sas, il partira forcément de là. C'est, il partira forcément d'ici, non? Ah non, c'est le sas qui... Putain, je suis un con. Ça sépare juste un enclos de l'autre, c'est ça. Attendez, un truc que je comprends pas, parce que ça c'est un sas, hein, on est d'accord que ça c'est une porte d'ouverture, donc je pourrais potentiellement en mettre là, mais je pourrais pas en mettre ailleurs. De toute façon, on s'en fout, au pire on peut très bien compartimenter et les déplacer, c'est vrai que vous m'avez dit ça, c'est tout à fait logique, ça marchera très bien, forcément, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais ceci. Voilà, donc là on a une zone où il y a un petit vélociraptor qu'on va déplacer par hélico d'ailleurs, en utilisant l'UC, l'UC je sais pas quel, c'est peut-être U, je sais pas quel est le raccourci, Y, non F, non, G, non, ce n'est pas R, ça c'est sûr, ce n'est pas T non. Ah si c'est T, c'est T, on le sait. Donc équipe de transport, on va te prendre toi. Non, tu peux pas. Sélectionner. Bah. Ah non, c'est l'autre. Ah non putain, faut le. Bien sûr, faut le sédater. Avant, faut le sédater, ça je me souviens. Donc hélicoptère de l'UC, ajouter une tâche, administrer un sédatif. Tâche ajoutée. On va le remettre dans cet enclos là et ensuite on va Par contre les spectateurs n'arriveront peut-être pas à les voir. Ouais carrément, j'ai prévu de construire un petit truc de spectite dans le coin ici, puis je relirai avec une route. Ouvrir compatibilité, c'est quoi bénéfice par minute, tout va bien. D'ailleurs, je vais un petit peu pas terraformer mais juste virer un peu les arbres dans ce coin là pour pouvoir mettre mon petit truc de regardage proprement. Ici aussi, je vais rajouter un peu de forêt quand même ici quoi. Hop, je vais mettre un petit ça ici. Ah, merde. Obstruction. C'est les arbres ou c'est la flotte? C'est peut-être la flotte. C'est peut-être les arbres et la flotte. Il faut peut-être nettoyer un peu plus, un peu mieux. Allez. Bon, faut, au pire, je peux reconstruire. Ça coûte un peu d'argent, mais je suis tellement pété de thunes. Hop, 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 là ça devrait aller, non? Hop. Voilà. Voilà, ensuite je vais relier ça avec une route à la route principale ici, en fait je vais le relier, je vais, ouais, ça sera là, comme ça il y aura genre, il faut imaginer qu'il y aura un petit écriteau ici, avec écrit si vous voulez voir les dilophosaures, vous devez passer par là, et je vais mettre une rue moyenne, non une rue haut de gamme, mais attends, j'en ai pas fait de grosse. Ça sert à rien parce que c'est... Hop. 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 Et hop. Voilà, il n'y a pas d'électricité non plus. Donc ça, il faut que je relie évidemment à une centrale électrique qui est juste là. Donc ça, c'est facile.
Hop. Je mets ça ici. Merde. Je la touche. Là. Là. Ok, donc lui, il est bon. Je rappuie sur T, je fais une équipe de transport qui prend lui. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Voilà, là ça le fait. Alors du coup, je vais quand même voir comment, parce que même si on en a pas besoin, je vais voir comment fonctionnent les sas. Il faut que je mette une petite mangeoire à l'intérieur aussi, évidemment. Ça c'est logique, donc je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Une petite mangeoire pour carnivore placée ici. Non, enfin, en même temps, ouais, ils ont, ouais, non, on s'en fout, parce qu'ils ont, ils ont vu sur à peu près toute la zone. Pas trop de problème avec ça, par contre. Oh, pardon. Aucune porte. Oui, mais une porte, si je la mets là, ça sert à rien, en fait, de mettre une porte ici. Transit en cours. Enfin, si, ça sert, si, bien sûr que ça sert, bien sûr que je suis absolument obligé de mettre une porte, évidemment, mais je pense que je vais la mettre là, c'est pour que les gens passent, en fait. Et là, c'est dès que je le crée, donc je vais faire ça, hein, je vais incuber complètement des dilophosaures. Hop, je vais en mettre deux. Et je vais immédiatement, dès que je les sors, je vais les prendre et je les déplace. Donc ça veut dire qu'il faut, genre, il faut leur mettre un... Il faut immédiatement... Livraison effectuée. Il faudra faire une zone toi-même devant la sortie de l'incubateur. Mais bien sûr, mais évidemment qu'il faut faire ça, je suis complètement con. Bien sûr, il faut juste que je fasse un truc là... Et comme ça, à chaque fois, ils sortent dans cette zone-là, comme ça, c'est sûr qu'ils se font pas bouffer, j'ai pas besoin de me dépêcher de quoi que ce soit. Je suis complètement dégoûté. Ok. Hop, tac. Obstruction ! Ok. C'est pas pratique, en fait. C'est pas pratique ce que j'ai fait, je m'attendais pas à ça. Si je le fais tout droit, je peux... Ok. Je vais démolir cette mangeoire et je vais la reconstruire ailleurs, hein, de toute façon. C'est ça qu'il faut faire. Je sais même pas s'il y en a besoin vraiment, parce que celle-là je l'avais construite spécifiquement pour nourrir les vélociraptors, mais du coup ils ont plus l'air d'avoir de problèmes de bouffe, parce qu'ils ont les autres que j'ai créés un peu plus loin. Ok, donc la clôture. Mais non. D'accord, il vaut mieux faire un truc un peu comme ça, c'est ça? Mais putain, mais c'est obstrué par quoi? Je comprends pas. Mais wesh. Ah, c'est peut-être le relief. C'est complètement ça, c'est complètement le relief. Si je fais ça... Ouais, c'est complètement ça, c'est le relief, ok. Donc il faut que je terraforme un petit peu. Merde. Je vais cliquer là-dessus. Il faut que j'aménage un petit peu l'endroit. Donc il faut que j'aplatisse, en fait, c'est ça. Il faut que je... C'est quoi? Alors, c'est... j'ai pas en fait encore, j'ai pas du tout testé. Aplanir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Oh, dégage, toi, t'es relou. Ok, c'est ça, et du coup, boum, chakalaka, c'est ça. Mais non, si, ok. Dégage le dino, voilà, voilà, et voilà. Donc, cette zone-là sera un peu une zone d'entrée. Je sais que vous avez déjà beaucoup à faire, mais... Ça serait dommage de laisser passer ce projet. Utilisez le centre des expéditions pour exhumer un fossile de dinosaure de petite taille ou de taille moyenne. Okay. C'est très facile. Et d'ailleurs, il faut en plus que je vais faire ça immédiatement parce qu'il faut que je lance... Ah, il y a un dinosaure mort que j'avais pas vu, tiens. Oh, pépère, pépère, pépère. C'est terrible ce qui t'arrive, je suis désolé. Cible en cours de récupération. Ah, on va relancer des expéditions parce qu'il faut pas oublier toujours d'en lancer. Là, depuis tout à l'heure, je fais le cacou. Mais surtout le Dracorex en plus, que je peux continuer à bourrer un petit peu. Hop. Voilà, les fossiles. Alors tout ce qui est à vendre, on ne le vendra pas ici. On le vendra après. Hop. Et on va lancer une recherche également. Ici. 3 bâtiments disponibles. Ça, j'ai pas trop besoin. Vitesse de rechargement des gardes. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Traitement médical, personne n'a jamais été atteint de cette maladie, donc on va pas le faire tout de suite de toute façon. Et on va pouvoir sortir nos petits dilophosaures. Non, pas encore, il reste quelques petits pourcentages.
Ok, destination, labo de création, monde 3, c'est bon. Salut petit pépère. Je suis désolé, j'ai tué plein de gens de ton espèce. Plein de dinos comme toi sont morts ici. Ok, donc évidemment population interaction c'est très bas parce que y a personne avec lui. On va continuer avec ces deux dinosaures là. Tu as débloqué les skins des voitures. Non, je les ai pas débloqués et je sais pas comment faire. Donc à voir. Comment libérer ça. J'ai très envie d'avoir une Jeep de 93, c'est mon fantasme. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir. J'ai celle de 93 qui soit 64. C'est comment c'est possible? J'ai été regardé tout à l'heure, je l'avais pas. Attendez, je vais juste vérifier ça vite fait avant parce que sinon. Ah non, je l'ai pas. Hein. Elle est loquée. Elle est complètement loquée. Donc je vais endormir quelques petits dinos. Non, pas piloter l'hélicoptère. Non, parce qu'en plus ils sont petits, ça va être galère à viser. Je pourrais le faire, mais ça va être relou. Ça va être relou. Je préfère qu'il le fasse automatiquement. Je sais que je vais viser comme une merde. En même temps. Ouais, non. Les prochains qu'on a besoin. Hop, on le fera. Vous ne baissez jamais les bras, vous, alors. Il nous faudrait plus de gens comme vous. Je sais. J'arrête pas de le dire. Il faut rouler manuellement longtemps avec la Jeep pour avoir les skins, me dit Cibo12. Je vais tout à fait faire ça parce que je veux cette putain de Jeep. Donc on va aller se balader un petit peu, les gars. Allez, grave se balader un peu. On va prendre quelques petites photos. C'est parce que c'est toujours sympa. Est-ce que je peux prendre des photos des gens et est-ce que ça compte comme des trucs? Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette Jeep? Salut les gars. Zéro balle. Zéro balle. On va prendre des photos un peu des carnivores, tiens d'ailleurs. Cramé, un dinosaure mort. Enfin, je m'en occupe. On fera ça à chaque fois qu'il y a un truc à faire avec les gardes, on prendra la bagnole en fait, c'est ça qu'il faut faire. Quoi? Qui est mort? Who's dead? Ah, il est juste là. Non, Triceratops, putain! Superbe bait! Magnifique créature, décédée trop tôt, tu es parti trop tôt. Ok, très bien, on va te ramener. Cible en cours d'évacuation. Et on va vendre tes cornes. Comme des petites merdes de braconniers. Hop. Ça c'est bon. Faut faire le fou avec les jeeps, faut faire des sauts, tout ça, on peut faire des sauts. C'est cool hein. Ok. Comment est-ce qu'on vend un dino? J'ai pas trouvé la commande, c'est dans l'UC. Tu prends. Il y a un de tes deux hélicoptères qui peut vendre des dinos. Et on se fait toujours masse de blé, hein. Vous pouvez noter que la comptabilité est au beau fixe. On va continuer à choper des petites missions. Recherche terminée, super. Hop. La division science est toujours à l'affût de projets pouvant renflouer ses caisses. Ça, je sais pas, ça c'est chelou. Allez, j'essaye. Mais je sais pas ce que ça veut dire 5 étoiles. 5 étoiles en quoi en fait? Alors, je prélève de l'ADN toujours de Dracorex. Celui-là, ça va être trop bien. Parce que là, c'est une ADN plus élevée. 360 000 balles, je vais relancer une expédition toujours au même endroit pour continuer à choper. J'en ai des corythosaures? Je crois pas. Hein. Je crois que j'en ai pas. Je vais continuer à bourrer des Dracorex. Hop, donc fossile, ça c'est bon, on a dit recherche, on va continuer les recherches un petit peu. On va faire cette fois la génétique, on va faire celui-ci. J'ai hâte du sandbox, mais carrément, mais on fera ça, peut-être pas aujourd'hui, parce que là ça fait déjà quoi, 3 heures, je sais pas combien ça fait de temps que je suis en live, mais je crois que ça fait quand même 3 heures et demie, donc je vais pas tarder à arrêter. Je pense que 4 heures de live sur le jeu, ça va. Je suis désolé parce qu'on n'a pas vu beaucoup de l'autre île, mais en même temps, on s'est fait happer par autre chose, et puis c'était assez cool. En fait, je suis très content d'avoir amélioré cette île-là qui ne me plaisait pas. Et là, il faut que je fasse 2-3 trucs en plus pour que ce soit un peu mieux, notamment les transférer.
Hop, 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 hop. Ah, je peux pas si. La cible doit être évacuée. Demande de récupération bien reçue. Voilà, donc je suis content de continuer à choper des dinosaures en passant par là. Le jeu est plus facile, mais en même temps, encore une fois, c'est le jeu me permet de faire ça, donc je le fais. On va retourner, bien sûr, avant de se quitter, on va retourner passer un petit peu de temps quand même dans la deuxième île. Hein, mais voilà, et la prochaine, le prochain stream sur ça, ce sera, je pense, dans quelques jours, parce que je vais y jouer de temps en temps en fait à ce jeu-là, parce que vraiment, je l'aime bien. Et puis j'ai envie de continuer à avancer, j'ai envie de débloquer des dinosaures et de faire des trucs. Je me demande si ce soir je reviendrai pas pour faire un live, peut-être pas de Jurassic Park, peut-être d'un autre jeu. Je vais voir avec Antoine s'il a pas envie de jouer, peut-être à Spy Party ou un autre jeu comme ça. Un jeu multi. Cible en transit. Parce que là du coup je peux rejouer un peu au jeu qui nécessite une manette. Une souris, pardon. Je pense que même un Overwatch je peux avec cette souris là. Donc à voir. À voir, à voir. Voilà, donc ils ont été transférés, tout va bien. Un peu d'eau, je vais leur mettre un peu de végétation quand même au cas où. Je vais couper un peu d'eau là, cette flotte là, je vais la changer un petit peu. Voilà, et là je vais mettre un peu de végétation. La cible est arrivée à bon port. Ah oui, non, on peut mettre de la petite végétation aussi. Ah non, c'est parce que c'était dans l'eau. D'accord, bien sûr, c'est logique. Je peux pas. La cible a bien été transportée. Mais là on peut aussi. Ah oui, non, si on peut mettre aussi des petites plantes. Ok, charmant. C'est charmant, il faut que je vire de la flotte ici aussi. Mon cœur brûle ici aussi, la référence, les gens qui vont trouver ce que ça fait. Là, non, je peux pas. Je casse. Ah, on peut pas mettre de la grosse végétation là où il y a de la petite végétation ici. Non. Écoutez, je comprends pas comment ça marche, pourtant là je. Ah, je peux pas en mettre ici. Pour une raison qui m'échappe, je ne peux pas en mettre ici. Écoutez, tant pis, on va mettre un petit peu là peut-être. Non, il y a la porte ici. Je peux en mettre ici. Non, je peux pas non plus. Je peux pas non plus. Là. Bon, ça a l'air un peu aléatoire. Hein. Ça a l'air un peu. C'est quand il veut, quoi. Ok. Alors. T'as pas assez de bouffe ? Mais t'en as juste là. Tu peux aller manger. Tout va bien. Vous êtes magnifique. Je vais aller prendre des photos des dilophosaures parce que comme ça, ça me permettra de éventuellement d'avancer sur le déblocage de Jeep, qui est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça, on lance, ça, on lance. La recherche, elle est encore en cours ou pas du tout? Non, c'est bon, on peut continuer les gènes. Hop. On va faire une petite lancée, une petite expédition supplémentaire si elle n'est pas finie. Ouais. C'est correct, ça. Ça veut dire qu'il va y avoir une volière, ça? Donc des dinosaures volants? Ça, c'est évidemment... Non, elle n'était pas dans Jurassic Park. Ah, elle n'était pas dans Jurassic Park 3, la volière? Il n'y a pas de... On s'en fout. C'est pas très grave. J'ai débloqué. Le dinosaure, c'est ça. Et le Dracorex, on va essayer de finir la mission d'ailleurs qui nous demande de débloquer un Dracorex. Non, parce que non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il me faut une modification génétique que je n'ai pas encore débloquée, je crois. De mémoire. Ok, donc on a dit qu'on allait, hop, équipe de garde 1, parce que c'est la première. Conduire un véhicule. Allez, c'est parti. Je peux pas vraiment faire des dérapages avec le frein, moi. Dégagez! Ça dégage! C'est les gars! Est-ce que du coup, ce que je me demande. Non, ils ont pas. Parce que ce serait cool en fait qu'ils t'attaquent, eux, dans la Jeep, parce qu'on sait qu'ils attaquent. Quoi? Quoi? Non! Oh merde! Ok! Et j'ai pas créé de centre... Ok, il faut immédiatement... Ok, yeah, c'est la merde, c'est la grosse merde. Non, c'est la grosse merde, il va buter des gens. Centre de lucé, hélicoptère de lucé, ajouter une tâche, il faut que je lui tire dessus. Et à lui aussi. Tâche confirmée. Oh, c'est la merde, c'est... Oh, on va... Par contre, on peut le regarder manger des gens, c'est un peu... Lui, il va attaquer des gens. Il va leur cracher dessus. Oui!
enfoiré. Pourriture. Pourriture, pourriture. Ah putain, il est en train de défoncer plein de monde là, par contre, il faut absolument que l'on le calme. Allez, vas-y. Si vous voulez bâtir une relation de confiance avec ces animaux, il faut savoir leur lâcher la bride par moment et les laisser libres de leurs actions. Même s'il s'agit de tuer d'autres dinosaures. C'est dans leur nature. Putain, je croyais qu'il parlait des humains, Owen Grady. T'es parti beaucoup trop loin, Chris Pratt, hein, dans ton délire de les animaux, on les respecte. Là, c'est... Allez ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Faut que je le fasse moi-même, c'est ça ? Parce que sinon, ça prend un temps de ouf. Allez. Allez, allez. Ah putain, il est loin. Oh, je l'ai pas eu. Là. Je l'ai pas touché. Merde, merde. C'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Contrôle, il faut que je perde de l'altitude. Faut que je me rapproche d'eux, évidemment. Hop, on prend ça. On y va. On tourne l'hélico, s'il vous plaît. Non, 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 j'ai cliqué, évidemment, je suis un joueur de FPS, donc j'ai cliqué sur le clic droit. Ce n'est pas une bonne idée, il ne faut pas cliquer sur le clic droit. On se calme, tout va bien se passer, en plus c'est pas très grave, c'est juste une petite... Franchement, on a vu pire, à Jurassic Park. Là, je t'ai touché là. Merde. Je vous ai touché les gars. Oh là, je vous ai complètement raté. Oh là, c'est l'horreur. Ils sont petits et vifs. J'aime pas du tout, j'aurais jamais dû vous créer. Ah c'est bon, je l'ai vu. Touché. Les deux sont endormis ou pas? Je suis pas sûr, peut-être qu'il faut mettre deux balles. Non? Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Le stress, eh ben là, je peux vous dire, je vais avoir des procès. C'est bon, ils font dodo. Ils font dodo. Équipe de transport. Hop, on te remet dans ta cage, mais il faut absolument la réparer par contre. Ça c'est... En route pour récupérer. Ah merde, ils vont se réveiller si je fais ça. Ils vont se réveiller. Attends, je peux annuler la tâche ou pas? Non, je peux pas. Non, je peux pas. Il faut réparer. Donc pour réparer, on a dit qu'il faut juste choper une équipe de garde. Conduire le véhicule, il faut le faire soi-même. Parce que tout à l'heure, on a dit faire nous-mêmes. Allez, allez. Allez, allez. Parez-vous. Le mec, il tue 4 fois plus de personnes. Avec la bagnole qui est censée les sauver. Attends. Ok, hop, répare. Ok, c'est réparé. Et du coup, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était quoi le problème? Ils avaient pas assez de bouffe? Ils avaient pas... Hop. On aura bientôt récupéré. Oh là là. Faut la cage à l'intérieur, sinon... Et laisse les raptors s'en occuper, ouais, j'aurais pu faire ça. Mon enclos est trop petit avec pas assez de forêt. Ok, donc il faut que je modifie la taille de l'enclos. Donc je vais essayer de l'agrandir par là, comme ça je vais faire un truc un peu ici pour gagner un peu de place. J'espère que ça va être suffisant. Je suis même pas sûr que ça suffise. Ça va juste est-ce que ça va être suffisamment significatif comme ça. Comme ça, et du coup là il faut que je démolisse ça, et ça, c'est ça. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Donc là, il est un peu plus grand. Je vais mettre une petite zone de forêt là-dedans. Hop. Et du coup, je peux même carrément l'agrandir ici, hein, s'il faut. Si jamais il y a besoin. Je vais l'agrandir ici. Dégage, dégage! Allez, va-t'en! Barre-toi! Barre-toi, le dino! Cible arrivée à destination. Oh là là, le raptor à la lenteur de l'enfer, quoi, putain, mais vas-y! C'est bon? C'est bon? Allez. Voilà. Voilà, et donc démolir ces petits trucs-là. J'ai un peu plus de place. Par contre, les autres, ils vont maintenant manquer de flotte, je pense. Je vais essayer de mettre un peu plus d'eau ici. Hop. Voilà. Merde. Bien. Tout ça c'est bien. Il y a de la flotte. Il y a un peu plus de flotte. Il y a de la flotte. Non. Pas de problème. Ok, là ça va aller. Attends, je vais voir ce qu'ils demandent en fait. C'est plus simple. Alors.
L'interaction, ça va. Nourriture, ça va. Santé, ça va. Prairie, ça va. Forêt, ça va. Population, ça va. C'est dans le bleu. Interaction, ça va. Je peux leur créer un pote, quoi. Peut-être ils ont pas assez de potes. Je sais pas trop pourquoi ils ont eu envie de faire ça. C'est... Vous êtes des petites merdes, les Dilophosaures. Vous êtes vraiment des petites merdes. Ok. Alors, par contre, là... C'est quoi, ça? Alors, il y a deux trucs. Oh, merde. Alors, les mangeoires herbivores, c'est la grosse merde. Réserve vide, et là... Et là, je pense réserve vide aussi. Hein. Ah ouais, non, mais carrément, non, c'est ultra chiant, en fait. C'est super relou. On va envoyer une équipe de garde s'occuper de ça immédiatement. Ajouter une tâche. Bien reçu. Hop. On va réapprovisionner la mangeoire. Ça. Aucun problème. Ça. Et il y a aussi un problème de mangeoire à carnivore ici, c'est ça? Ok, donc on va quitter ça et on va envoyer la deuxième équipe. R. Hop, ajouter une tâche. En route vers la mangeoire. Très bien. Baldur, il a pas vu. Donc, quelqu'un, Baldur, tu m'as dit quelque chose que je n'ai pas vu. J'essaie de remonter pour voir si ça passe. Je dis ça. Je ne te trouve pas, Baldur. Je ne te trouve pas. Karim a un Discord, pas encore, mais. Enfin, il n'est pas encore ouvert, mais c'est prévu pour dans pas longtemps du tout. Alors, le jeu coûte combien? Première fois que je vois ce jeu. Le jeu coûte 55€ en version normale et 60€ en version deluxe, comme je l'ai payé. Sachant que la version deluxe te rajoute juste quelques dinosaures. Voilà, donc c'est pas un truc énorme. Mais vas-y en Jeep pour les skins, putain, mais t'as raison. Est-ce qu'elle est déjà là? Attends, R, équipe de garde 1, on dure le véhicule. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Effectivement, en plus j'ai dit que je le ferais, je l'ai pas fait. Elle est en fini la Jeep. C'est pas grave, je vais me balader un petit peu, je vais aller prendre quelques petites photos. Magnifique. Là, si c'est pas le talent, franchement, si je suis pas un incroyable photographe. J'ai moi-même fait un peu de photographie en montant, mais je n'avais pas votre talent. Et alors, qu'est-ce que tu fiches ? Grosse merde. Tu sais que t'es une grosse merde. Conserver une note de 5 étoiles pour service. Encore une fois, je vois pas à quoi correspond les 5 étoiles en service. Maintenez votre nombre de visiteurs au-dessus de 1700, ça je l'ai toujours pas fait. Il va falloir peut-être que je fasse un hôtel supplémentaire, un truc comme ça un petit peu. Et transférer des dinosaures Dracorex, ça va être pour bientôt, je pense. Ça va pouvoir se faire dans pas trop longtemps. Allez, donc maintenant, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure avant cette espèce de brèche dans la sécurité, c'était de prendre des photos de Dilophosaurus, donc c'est pas faire. Merci beaucoup, Gouvernator, pour ton don de 1€, ça fait plaisir. Bonjour à l'inculation de Shirley et Dino. Très très bonne vanne, je te pompe tes blagues sur ton propre stream, mais tu devrais avoir honte déjà, et je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, j'aimerais, hein, ce serait génial de pouvoir créer Shirley et Dino. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour s'incuber. Je pense qu'ils s'incubent très bien entre eux. Ça sonne comme un truc très méchant envers Shirley et Dino, je suis désolé, je veux pas être méchant envers ces gars-là. Hop. Qu'il est beau. Ça va bien, t'as pas envie de casser un truc encore? Non, par contre, t'aimerais bien avoir un pote. Tu veux que je te rajoute un pote? Je vais te rajouter un pote, mec. C'est ce que j'aime chez vous. Vous obtenez des résultats. Ok, ça, c'est cool, on est au-dessus de 1700. Je balance. Et donc, je vais aussi... pas là évidemment, parce que là sinon c'est dans un monde de carnivores et ils vont pas apprécier qui est mort. Oh, mort de vieillesse. Terrible drame dramatique. Non, c'est pas ça, c'est ça que je voulais faire. L'équipe de transport et on va. De récupération. Menace de dinosaures. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que t'as toi? C'est quoi ton problème? Va péter un truc. On va devoir aller à la chasse au raptor, je pense. 3. Oh là là, c'est la merde. C'est la grosse merde. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ils sont dans le bleu partout. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Dangereux pour les visiteurs. Il est en panique. Il a pas assez d'eau, peut-être. C'est l'eau qui est le plus proche de la. Attendez. Je sais pas moi. Pourquoi? Vous êtes
truc dans le bleu. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bah merde! Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, c'est un peu drôle par contre. Du coup, je vais pas. Je pourrais l'enlever de là, mais en même temps, il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués dans un enclos. Attends. Je viens de recevoir ce contrat. Très intéressant, si vous voulez mon avis. Ok, prévenez du nouvel ADL à partir de fossiles de dinosaures dans de fossiles de génome. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Mais barrez-vous! Mais allez-vous-en! Mais sortez! C'est génial! C'est trop cool! Attends, ah, peut-être il y a un trou. Non, il y a pas de trou, non. Parce que ça, c'est le truc que j'ai rajouté, donc je me disais peut-être il y a un trou dans le. Puis même s'il y avait un trou, les gens iraient pas dedans, quoi. Eh ben, vous allez vous faire manger, mais on a hâte de voir ça en tout cas. Par contre, il y a deux menaces, donc ça veut dire. Putain, il y a des humains, mais il y a. Attends, c'est trop chelou. J'ai dû faire une corde. Et là, on voit que. On voit les clôtures et on voit qu'elles sont pas cassées, quoi. On voit très bien que y a pas d'ouverture dans mon truc. C'est quand j'ai ouvert avec la bagnole, peut-être. C'est quand j'ai ouvert avec la bagnole, ils se sont dit, tiens, on va y aller aussi, c'est ça? Eh ben, si c'est ça, vous méritez votre mort. Vous méritez votre mort et on va la regarder, on va rire. On va rire de votre mort ensemble. Ah bah oui, vous êtes des couillons aussi. Est-ce que d'ailleurs, vu qu'il y a eu des morts, Est-ce que ça a augmenté le prix des procès? Non, pas encore. Chose à retenir, les morts ne portent pas plainte. Souvenez-vous de ça, c'est une super morale. Un truc à retenir vraiment. Ok, bon, bah très bien. Très bien. C'est quand tu as ouvert, je pense. Oui, je pense que c'est ça, c'est quand j'ai ouvert avec la bagnole pour aller prendre des photos qu'ils se sont faufilés, mais ils sont complètement cons. C'est des très très mauvais. Je savais pas qu'ils pouvaient faire ça en fait. On va continuer à fouiller un petit peu du coup pour le Dracorex que je vais créer dans pas longtemps. Mais eux ils représentent un danger pour rien parce qu'ils sont pas dans le même enclos, ils sont pas dans l'enclos où les gens sont rentrés. Donc je comprends pas. Il est en état de panique. Pourquoi? Prairie est une forêt de taille raisonnable pour s'épanouir. Mais là, ils l'ont normalement, parce que dans leur like, il y a prairie, c'est cool, forêt, c'est cool. Confort, nickel, santé, à la cool. Ils ont des phases de panique comme ça. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais je sais qu'il va falloir que je recrée en tout cas un dino. Ah bah y en a un nouveau. Je vais incuber ce dinosaure là et laisser partir l'autre. Il me faut un ceratosaure pour qu'il soit pas tout seul parce que c'est pas sympa. Je vais le modifier un peu, tiens. On va le faire de cette couleur là, parce que ça va être chic. Ils sont en panique car il y a une autre race avec eux, tu crois que c'est ça? Ils sont en panique parce qu'ils se fritent avec le gros, bien sûr. Donc il faut que je fasse, en fait, il faut faire autant d'enclos qu'il y a de types de dinosaures différents. Ça paraît logique, hein, dans le film, il y a bien l'enclos des dinosaures, il y a bien... Enfin, il y a l'enclos des... Enfin, ils ont un enclos par dinosaure, par type de dinosaure, donc on peut faire ça aussi, bien sûr. Bon, on peut faire ça. Quoi qu'il en soit, donc je vais le modifier un petit peu. Je vais faire de lui quelqu'un de... Quel nom je dois être lui. Non, pour le reste, je vais pas le modifier trop. Mais oui, on se fait du pognon, t'inquiète, on se fait du pognon. L'argent, c'est pas grâce du tout vous, un problème. Grâce à vous, la division divertissement est en train de devenir le fleuron de toute cette opération. Mais t'inquiète pas. Merci beaucoup, GuzzLive, pour ce Prime, pour ton deuxième mois de Prime, ça fait super plaisir. Tu me régales, tu me fais trop plaisir, je t'aime très fort, je te fais des câlinous d'amour. Alors, attendez. Ok, on va incuber lui. Et on va transférer ce dinosaure-là pour le mettre dans sa boîte. Tu sais s'il y a des dinosaures marins dans le jeu? Je ne sais pas. Franchement, j'espère. En fait, j'ai peur que ça, ce soit typiquement le genre de truc qui est prêt à sa DLC. Et j'ai peur qu'il fasse le DLC dinosaures marins dans 3 mois. Quoi. Mais bon, on verra. Pour l'instant, je sais. Oui, vous avez un Dilophosaurus. Hop.
Entendu. Voilà, voilà. Il y a un nouveau truc. C'est quoi? Ah oui, c'est toujours le monorail. On va bien devoir mettre un jour. Bon. Tout ça. Alors, quelle heure est-il déjà? Il est 16h38. Il commence à se faire. Ça fait un moment qu'on est là. Je sais pas exactement combien de temps, mais je pense que ça fait 3 heures ou 4 qu'on est ici. Donc, je vais pas tarder à arrêter. Je vais repartir dans mon second parc pour aller voir ce que je peux y faire un petit peu. Je vais lancer une expédition supplémentaire quand même. Je vais revendre ces quelques trucs que je peux revendre. Je vais. Non, avant ça, je vais créer un Dracorex, pardon, c'est ça que je voulais faire. L'émission, ça va être, on va transférer un Dracorex, on va aller dans le deuxième parc, on va se balader un petit peu et on va se quitter là-dessus. Et ça sera sympathique et je vous trouverai une petite chanson de fin à mettre. Ou quelqu'un à host, c'est vrai que j'oublie tout le temps d'host les gens, alors que c'est en fait c'est cool d'host les gens, je trouve ça super chouette. Donc je vais host quelqu'un, je ne sais pas encore qui. Incubation de dinosaures. On va mettre un petit Dracorex, effectivement, 72%, je pense que ça peut le faire. Non, mais ça le ferait encore plus si j'augmentais la viabilité et je la passais à x2. Je peux même mettre x4 tellement j'ai du pognon, je m'en fous. Je peux même mettre x6, plus 30, pardon, c'est pas x2 en fait, c'est 2.0. Mais là, je suis déjà à 100% en théorie. Si je fais ça, parce que. Ah bon? Il compte pas la viabilité du truc? Merde, c'est la vitesse! Putain, je suis trop con, c'est la vitesse que j'ai mis, je suis complètement un vieillard. C'est ça qu'il faut que je mette. Et quand ça fait trop longtemps que je joue, je commence à faire des conneries de ce type-là. Donc on va faire ça, mais on va aussi laisser une vitesse d'incubation. Et cette fois-ci, en théorie, si je clique sur l'ami Dracorex, il est à plus 40%, ce qui fait largement 100%. On incube. Et ces types-là, on va même en faire deux pour pas qu'il soit tout seul, parce que c'est toujours un peu chic. On va faire quelques recherches supplémentaires aussi. Donc les fossiles, ça normalement c'est bon, mais les recherches, ça ne l'est pas. On va continuer sur les gènes, comme ça je vais avoir tout. Ok. Ok. L'expédition, il n'y en a pas qui est lancée. Et donc, il y a des noms de dinosaures, Corythosaurus par exemple, je ne le connais pas, donc on va essayer de commencer à aller de ce côté-là. Merci beaucoup, Vatrenac, pour ce Prime. C'est ton premier mois de Prime. Je t'embrasse très très fort. Bienvenue à toi ici. Fais gaffe, les Dracorex, c'est un peu des cons. Tu dis ça comme une vanne ou tu dis ça comme un truc genre ils pourraient, malgré qu'ils soient herbivores, attaquer, mettre des coups de tête à mes autres dinos? On ne sait pas. Merci beaucoup, Vatrelax. Tu déchires. Je t'aime très fort. Je t'embrasse. Destination à la bonne création. Ah bon, c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Transférer les dinosaures. Du coup, j'en lâche qu'un pour voir. Allez, voyons ce que ça donne. Est-ce qu'il est beau déjà? Oui, il est beau. Moi aussi je t'aime, Guillaume, merci beaucoup. Il participe à des partous de droite, effectivement, ouais. Bien sûr, Artiboum Chaka, c'est ça qu'on connaît les dinosaures. Notre parc est heureux. En tout cas, il a envie d'un copain, donc on va immédiatement lui faire son copain. Toujours menace de dinosaures. Crash du feu, très très bonne référence. J'adore. Merci beaucoup Nekoto pour le don de 5€. Tu déchires un piment de ouf et tu me dis, je vais lire ton message dans une petite seconde. Merci pour les streams de qualité. Karim, c'est toujours un plaisir, c'est un plaisir d'en faire également. Je t'embrasse très très bien. Alors par contre là, il va falloir déjà que je remette un peu de bouffe dans une mangeoire visiblement. Oui, tout à fait, ici. Et il va falloir que quand même, j'arrive à comprendre. Ah oui, non, lui c'est normal qu'il soit dangereux pour les visiteurs, c'est parce qu'il reste toujours des visiteurs dans ses bails. Et je vais moi-même la recharger, comme ça me permet de conduire le véhicule. Et peut-être éventuellement un jour de réussir à débloquer cette putain de Jeep de 93. Wouh, salut les gars! Non, c'est pas par là, je vais n'importe où. C'est par là.
orages se sont dissipés. C'est là-bas. Ravitaillement effectué. À la fraîche. Et ces humains, du coup, là, est-ce que je peux aller les voir un peu? Est-ce que je peux leur faire peur? Est-ce que c'est complètement en fou, d'ailleurs, l'équipe? Oui. Parce que c'est pas très confus. Ils sont là-bas. Salut les cons! Je vais vous pourchasser en bagnole. Vous êtes cons. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, sortez, sortez. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule à faire les malins comme ça. C'est trop bizarre, quoi. Trop bizarre qu'ils puissent faire ça. Bon. Alors par contre, j'ai fait une connerie complète, hein, je m'en suis rendu compte après, mais j'ai mis les Dracorex, mais sans modifier leur génome, donc ils n'ont pas la modification métabolisme rapide, mais je crois que je l'ai pas en fait, la modification métabolisme rapide, donc je crois que je vais pas pouvoir le faire tout simplement. Ça c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Carte d'exposition, comment ça se passe les bails? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça c'est à vendre, ça c'est à vendre aussi, parce qu'on est déjà, fou. Donc je vais voir quand même dans les recherches génétiques, toujours pas un métabolisme rapide. Non, je vais lancer celui-là, comme ça j'aurais fait tous les trucs génétiques, peut-être que ça va favoriser quelque chose, je sais pas. Je sais pas trop comment les débloquer. Ah bah si, en fait sûrement. Peut-être que pour débloquer des modifications génétiques, il faut juste créer des dinosaures à blinde avec des modifs génétiques. Auquel cas, eh bah, je vais en refaire un de Dracorex, parce que comme ça ils seront trois et ça va être super chic, mais cette fois je vais modifier son génome. Je vais lui mettre une couleur alpestre, n'est-ce pas? La défense, ça va monter son espérance de vie, ça c'est très bien. Attends, je vérifie quand même que je l'ai pas le truc. Non. Ça. Réponse immunitaire, non, je l'ai pas. Je vais quand même appliquer le gène. Ça s'est verrouillé, donc de toute façon, je ne peux pas. Tu devrais créer d'autres enclos pour séparer les dinos et faire déplacer les visiteurs dans d'autres zones du parc avec des boutiques, etc. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison, parce que c'est vrai que là, j'ai que deux enclos et c'est pas... Ouais. Non, t'as raison. Je ferai ça. Mais là, je vais pas faire ça maintenant. Là, on va être en mode... Pardon, j'ai pas incubé du coup. On va être en mode juste, on va se terminer là, parce que ça fait trop longtemps que je joue et vous voyez, je commence déjà à faire des conneries. Parce que ça fait quoi? Ça doit faire 4 heures que je joue. Donc ça fait beaucoup. Ça sert à quoi changer la couleur à part baisser la viabilité? Bah ça sert à avoir des dinosaures un peu... Oh, il est mort. Ça sert à avoir des dinosaures un peu variés, je pense déjà, juste en termes de couleur, c'est cool. Moi, j'en veux des fluos, moi. Moi, si tu me dis que je peux faire des dinosaures pourpres, bah, je serais trop content. Alors, équipe de garde... Non, c'est pas l'équipe de garde qu'il faut appeler, c'est complètement le... Voilà, l'équipe de transport. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Et merci encore, Fahrenheit, pour ce don... 2-3 euros et l'Ocarim. Est-ce que Jérémy Morvan sera doublé par Gilles Morvan? Kappa, me dis-tu? Eh ben écoute, c'est en prévision. J'aimerais beaucoup rencontrer Gilles Morvan. Ne fais pas des dons à chaque fois que tu fais cette vanne. C'est en plus, parce que du coup, c'est moi qui t'ai dit ça. Et donc, j'ai l'impression de te pousser à faire. Voir les fossiles. Mais c'est très gentil. Je t'embrasse très très fort et c'est adorable ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour être quelqu'un de généreux et de sympathique. Prélever de l'ADN de Kyrotosaurus Rex. Bien. Expédition en attente. Donc là, à chaque fois que j'ai ça, je me dis, il est temps d'aller dans le deuxième truc. Je vais juste réparer cette mangeoire de carnivore, d'ailleurs, j'ai l'impression, tout à fait, qui pose problème. Donc une fois qu'elle sera réparée, on va aller sur l'autre île. On va faire 2-3 trucs, essayer de voir ce qu'on peut faire un peu sur l'autre île. Et ensuite, on va se quitter. Je vous dirai au revoir et je vous dirai peut-être à ce soir un peu tard pour jouer éventuellement à un autre jeu, mais c'est pas sûr. Si c'est pas le cas, ça sera alors soit c'est demain dans l'après-midi que je reviens, soit c'est après-demain. C'est assez évasif, je suis désolé, mais de toute façon, si vous êtes. Si vous followez cette. Non, c'est pas ici.
Si vous faites partie des followers de la chaîne, vous aurez une petite notif à chaque fois. Au pire, vous inquiétez pas, si vous ratez, il y a les replays, vous pouvez regarder les replays. Attendez, est-ce que ma porte... Est-ce que j'aurais pas isolé ma porte comme un con que je suis et il faudrait que je crée une autre porte? Non, ça va. De nourriture est à nouveau normal. Merci encore infiniment Fahrenheit pour ce don, ton milliardième de la soirée. Je fais des dons de mon plein gré, je te rassure, j'adore juste ce que tu fais, je te soutiens comme je peux avec quelques pépettes, tu fais super plaisir. Bah merci beaucoup, ça me régale, je suis fier de ouf, je te remercie beaucoup et c'est grâce à toi. Je vais continuer à faire des streams parce que c'est super agréable et qu'en plus c'est payant, c'est vachement cool. Non, c'est trop cool, merci beaucoup et merci à tous les gens d'ailleurs qui sub et qui font des dons. C'est ultra généreux de votre part, vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois, mais c'est ultra gentil, c'est toujours super. Alors, donc du coup, on a dit la mangeoire, c'est réglé, le Dracorex, on peut pas le faire, les 5 étoiles pour service, je ne comprends pas ce que ça signifie toujours, le génome, on le fera plus tard, on va passer à la deuxième île. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi j'ai un petit point d'exclamation ici? Ah oui, il y a ça. Ah si, d'ailleurs, je peux juste faire ça, au moins, prélever de l'ADN. Prélever de l'ADN. Ok, deuxième île. On y retourne, Isla Muerta, comme d'hab. Fais gaffe, tes étoiles baissent à fond. J'avais pas vu. Sur ma première île, tu veux dire Youpi Matin? J'avais pas fait gaffe. Ra-ra-ra. C'est joli comme jeu, putain, c'est cool quand même d'avoir des jeux. C'est aussi ça, je disais, on est dans une époque un peu bénie des jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux qui sortent en ce moment, je suis hypé par plein de jeux, il y a plein de jeux que j'ai envie de faire. C'est graphiquement, ça te défonce, quoi. Les jeux de... Je trouve ça trop beau, quoi, les jeux qui sortent aujourd'hui. Alors, du coup, mes étoiles baissent à fond, disais-tu. Je vais juste vérifier ça. Putain, grave, mes étoiles baissent à donf. Mais pourquoi? Putain, est-ce que c'est à cause des connards qui sont enfermés dans l'enclos et que du coup j'ai un truc de menace C'est ça, hein? Ah, putain, ah, mais j'ai pas fait gaffe, c'est horrible. Bon, on va laisser tomber, on se... Merci beaucoup, Tibule, pour ton... Troisième mois de sub, tu m'envoies en plus 3 cœurs, tu es trop mignon, 3 cœurs comme 3 mois, je te bourlèche les babines. Ça c'est dégueulasse, faut que j'arrête de dire ça, hein. Je te fais des gros câlins, c'est très gentil. Mais oui, ça fait baisser de touf, nous dit Shroli, bonjour Shroli d'ailleurs. Effectivement, ça fait beaucoup baisser. Putain, mais oui, mais du coup, comment je les sors de l'enclos, ces humains nuls? Ou alors je leur crée un petit enclos autour d'eux, juste? C'est trop con ça, c'est trop naze. Bah écoutez, on trouvera une solution la prochaine fois, c'est pas grave. Période bénie des jeux vidéo en ce moment, moi il y a des bons jeux qui sortent mais faut pas déconner. Franchement, genre en fait, mais c'est en fait il y a beaucoup de jeux et si tu veux, j'arrive pas à. Waouh. Merci beaucoup Riland Solo pour cet énorme don de 50,99€. C'est énorme. C'est énorme. Mais un merci immense. C'est beaucoup beaucoup d'argent que t'as donné. Ça fait plaisir. Donnez pas autant, ça me gêne un petit peu, c'est beaucoup. Ça fait super plaisir en tout cas. Merci. Tu me dis. Merci Karim pour tout ce que tu fais. J'ai un remix de Careless Whisper sur ma chaîne Real Riland Solo sur YouTube. Ce serait super sympa, gentil, mignon, d'y faire un tour. Oui, je fais de la promo, je suis désolé. Des gifles, non, bisous, des bisous. Merci beaucoup à toi. Évidemment que je vais aller regarder ton remix de Careless Whisper, qui, comme tu le sais, est une chanson que j'adore, que j'aime beaucoup. Et c'est avec grand plaisir, si tu veux, j'ouvrirai un live où je fais... Non, tu sais quoi, ça va être la chanson sur laquelle on se quittera, je vous la ferai écouter. Mais alors attends, non, dis-moi, est-ce que ça te va si je la fais, si je la mets pour finir le stream d'aujourd'hui? Parce que du coup, peut-être t'as pas envie en fait que je fasse écouter ta chanson, tu préférerais que les gens y aillent. Je mettrai évidemment un petit lien par-dessus. Et c'est super gentil, c'est vraiment, ça fait trop plaisir, c'est beaucoup d'argent et ça me touche énormément que tu fasses ça, merci infiniment. Donc oui, il va falloir que je trouve une solution pour sortir ces gens de l'enclos et je ne sais pas laquelle est-elle. C'est un peu chiant. Alors ajouter, ça je peux très vite le faire, ajouter l'amélioration. Déjà, première chose à faire, là, j'ai plein de choses à faire en fait dans ce truc-là. Il faut que j'aille que j'accède aux fossiles, que je revende un maximum de trucs
pour me faire un maximum de bif. Ça je le vends. Ok, ça je le vends également. Ok, donc ça c'est à la cool. Ensuite, il faut les expéditions, on s'en fout. Les recherches, on s'en fout. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse les contrats au maximum. Ajouter l'amélioration vitesse. Merci, Gouvernator, pour ton don de 1 euro. Que dis-tu ? Que me dis-tu ? Tu me dis, j'espère que je serai là quand Fahrenheit attendra les 450 €. 451 euros de don. On se fera un petit tout à fait pour fêter ça, ce serait sympa. C'est vrai que vous, vous êtes les donneurs, la force tranquille. Vous donnez, mais du coup, vous donnez beaucoup de sous. Hein. Merci beaucoup. Vous faites des petits dons, mais c'est super cool. C'est très gentil de votre part aussi. Hein. Je vous embrasse très, très fort. Et le truc que je voulais faire, donc, c'est l'amélioration vitesse d'incubation 2.0 au labo de la. Donc, je pense que c'est labo de la création amande. Mais alors, est-ce que c'est le 1 ou le 2 ? Du coup, il faut que j'aille voir là pour pouvoir lire le machin en entier. Labo de création amande, je pense que c'est celui qu'on veut. On va le faire sur celui-là, tiens. Et vitesse d'incubation 2.0. Je n'avais rien à prouver, mais la façon dont vous avez mené ce contrat a fait forte impression. À ce point, Georges, c'est le mec super cool. C'est loin d'être un fasciste de merde, Georges. Ça, je peux vous dire qu'il est vraiment extrêmement sympathique. Alors, transférer des dinosaures dotés de la truc. Ah oui, c'est toujours ce machin-là que je peux pas faire, hein, c'est ça. C'est toujours ce contrat. Ça, c'est les photos, on s'en fout. Pour le contrat de métabolisme rapide que j'ai toujours pas. Donc, je peux toujours pas faire ça. C'est pas grave, je vais créer quelques dinosaures et puis on va s'arrêter là. Vitesse d'incubation. Non, je vais pas l'augmenter parce que sur ce parc, faut vraiment que je fasse des économies. Donc, le temps que ça prend, c'est pas grave. En plus, je peux incuber. Alors, attendez, on avait dit. Carnivore, c'est où ? Carnivore, c'est là. On avait déjà créé. Non, ça, c'est herbivore. Herbivore, c'est ici. Herbivore, c'est ici. Et d'ailleurs, on a un petit bout de chou qui est là. Et remercie beaucoup, Fahrenheit, pour les 2 dollars, pour les 2 euros que tu me donnes. On a parlé de moi pour l'interrogation. Je préfère faire des petits dons. Je me persuade que ça emmerde mon banquier. Oui, je pense qu'il va t'en vouloir beaucoup. Je pense qu'il va te cracher à la gueule la prochaine fois que tu verras. Mais après, tu te débrouilles, c'est tes affaires. On va créer, du coup, un petit. On va modifier le génome. On va en ajouter un ou deux de ces petits gars-là. On va se mettre type savane. Ça, c'est cool. On va augmenter l'espérance de vie. J'aimerais bien l'augmenter en mettant voilà, ce petit truc-là. Moi, c'est ce que j'augmente en priorité pour les herbivores. Parce que, pour les herbivores, pardon, parce qu'ils meurent vraiment vite. Quoi. Pas besoin. Et ça... Justement, c'est l'espérance de vie, donc on peut peut-être la rendre encore un petit peu plus élevée. Voilà. Voilà. On inclut lui. Je devrais peut-être quand même. Je vais améliorer la viabilité quand même. Pour 40 000. Allez, je me le permets. Parce que du coup, j'ai un peu peur. Parce que là, je. Quoi, putain. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est ça, on décide d'être un avare. Parce que là, voilà, 73 plus 20, du coup, ça nous fait 93. Allez, 93, je lance. 93, normalement, ça passe. Et vous voyez, putain, j'étais à 73 quand même pour sortir le truc. Il s'est pas passé, quoi. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Je suis un poissard, quoi. Je vais ajouter aussi un petit tricératops. Qui a 89 pour 20, plus 20, donc lui, il est complètement à 100%. Je peux peut-être éventuellement modifier son génome un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus résistant. Parce que là, ça fait baisser. Par contre, je vais le mettre de couleur normale. Pour le coup, je vais pas faire le cacou en termes de colorimétrie. Par contre, défense. Non, si je le mets. Non, c'est pas dans défense, c'est dans. C'est là. Hein. Non, c'est pas là. Ah non, il a pas de truc espérance de vie, lui. Putain, il chope des maladies et tout. Mais c'est l'enfer, ce parc. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est pas grave, je vais incuber un triceratops comme ça. Direct quoi. Okay. D'accord. Donc on va le guérir. Hein. Ajouter une tâche. Oh putain, c'est un truc que j'ai pas. Ah non. Et puis il va y avoir hein, du coup une épidémie, je suppose. C'est ça qui va se passer. Ah l'enfer. Accéder aux recherches. Médicaments. C'est ça. Hein. Putain, c'est ça. Ça sera fait dans une minute. J'espère que dans une minute, ça ira. Parce que encore une fois, dans ce jeu, on peut pas faire pause. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire pause. Ça augmente la difficulté, mais c'est normal. C'est complètement volontaire.
Bien sûr. Donc c'est oui, bah oui, c'est ça. Parce qu'il faut gérer le temps. Ce serait trop simple en fait de pouvoir faire pause. Sinon, dès qu'il y a une brèche dans un truc ou dès qu'il y a une maladie et tout, bah tu t'en fous, tu fais pause et puis tu prends ton temps pour lancer les trucs que tu veux et tout. Mais en fait, là, ça te demande de réagir à brûle pour point. D'accord. Donc c'est non. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je comprends. Et en plus, c'est Midas. C'est le seul qui avait un nom, quoi. Tu vas pas crever, Pépère. T'inquiète, on va s'occuper de toi. On est là pour toi. Oh, il est beau comme toi en plus, regarde-moi. Magnifique. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je pense qu'on me préviendra quand la maladie sera. La recherche sera terminée. Oui, on m'a prévenu. Donc maintenant je peux te soigner. Dino. Oh, t'es là. Hop, équipe de garde 1, ajouter une tâche. Entendu. On soigne ce pauvre petit dinosaure et tout ira bien. Ok, donc ça, ça a marché. Transférage de dinosaures, on en profite. C'est cool parce que enfin, vous avez bien capté que dans les îles, il y a une ambiance de lumière un peu différente. Celle-là a l'air d'être un peu plus chaude. C'est très joli, je trouve. Notre parc est heureux d'accueillir un spécialiste. Non, t'as raison, c'est pas le seul qui a un nom. Il y a aussi Antoine Daniel, mais je crois qu'il est mort, Antoine Daniel. Ah, il est tellement mignon, ce dino. Oh, mon Dieu. Il se régale. Et donc le Triceratops. On va avoir un Triceratops qu'on va aussi transférer. Triceratops, un de mes dinos préférés. Fantastique dino. Mais la logique économique du jeu vidéo aujourd'hui ne me permet pas de dire qu'on est dans l'âge d'or. Alors, j'ai pas dit l'âge d'or, j'ai dit un âge un peu béni, enfin, c'est une période cool, quoi, parce que je trouve que les jeux qui sont sortis cette année, qui sortiront l'année prochaine, il y en a plein que j'ai trouvé vraiment cool et ça m'a fait plaisir d'y jouer. Et effectivement, ma réflexion ne prenait pas du tout en compte les pratiques commerciales modernes que je trouve parfois vraiment abusées. D'autres fois, je trouve pas ça scandaleux, mais il y en a où je trouve ça vraiment abusé, c'est vraiment nul. Et même si je comprends que les jeux coûtent de plus en plus cher et qu'effectivement il faut les rendre rentables, je trouve qu'il y a des trucs où c'est vraiment sale. Quoi. Je trouve que parfois ils abusent, ils se foutent de la gueule du monde. Mais franchement, depuis. Enfin, je sais pas, tu vois. Et quand je parle de période, c'est un peu large, hein, mais GTA V, c'était spectaculairement cool. Il y a plein de jeux, moi, qui m'ont fait passer des heures et des heures dessus, quoi. Et même là, je pourrais jouer tout le temps, vraiment, à plein de jeux différents. Sans jamais me faire chier, quoi, en fait, en vrai. Je pourrais jouer 24 heures par jour. Hein. Y a tellement de jeux à faire, parce que les jeux, en plus, non seulement il y en a plein, mais il y en a plein qui sont très longs, quoi. Genre, j'ai toujours pas fait Witcher, j'ai pas fait Witcher 3, j'ai pas fait Witcher 2. Alors que c'est des jeux qui sont complètement ouf et qui prennent des heures et des heures à terminer, tu vois. Ne serait-ce que ça, ça te prend déjà un gros morceau de vie, tu vois. Alors qu'à l'époque, la plupart des jeux, ça durait un peu moins longtemps. Mais c'est pas une comparaison avec à l'époque, parce que quand j'étais jeune aussi, les jeux étaient fantastiques. Et je suis aussi très rétro gamer, donc je joue beaucoup à de vieux, à des anciens jeux aussi. Donc c'est même pas une comparaison, c'est juste là je suis content des jeux qui sortent, tu vois. Je suis content des jeux qui sont annoncés un peu. Je suis content d'avoir un Red Dead Redemption 2, tu vois. Je suis content d'avoir un Fallout 76. Je suis content d'avoir plein de trucs. Je suis content d'avoir un jeu Spider-Man. Artafo, tu donnes 1€, c'est trop mignon. Alors attends, je la laisse parler, je lis ça. Augmenter le nombre de visiteurs afin d'atteindre un total de 600 visiteurs. Écoute, c'est tout à fait possible, on va accepter ça immédiatement. Si on me laissait faire, il nous restait 1€ sur PayPal et donc voilà, autant le donner à toi que je suis depuis. Crost, merci infiniment. C'est très gentil. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup et merci pour ta fidélité. Du coup, si tu me suis depuis Crost, ça veut dire que ça fait super longtemps. Ah voilà, Kingdom Hearts 3, moi j'ai trop envie de le faire. Même si, comme j'ai dit la dernière fois, je comprends plus le scénar de Kingdom Hearts, j'ai laissé tomber. Maintenant, Kingdom Hearts, pour moi, c'est devenu des jeux où tu te balades et je vais dans les univers, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui s'y passe dans les Kingdom Hearts. C'est devenu beaucoup trop touffu. Bon, bah écoutez, il est quelle heure? Il est 17h pile, c'était l'heure où je m'étais dit 17h, j'arrête. On va se quitter sur ça. On a fait quelques missions, on a quand même bien avancé. Le premier parc, on commence à avancer pas mal, il commence à avoir de la gueule. Il est pas très joli visuellement, je trouve, je peux faire un truc plus joli. Mais il commence à y avoir plein de trucs, en tout cas, et plein de dinosaures différents surtout, et ça, c'est cool. Donc je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je pense qu'on est bien, on va sauvegarder la partie. Sauvegarder la carrière. Sur celle-ci, sauvegarder. Oui, j'écrase cette sauvegarde. Non, d'ailleurs, j'écrase pas cette sauvegarde. L'idée, c'est que je fasse une nouvelle sauvegarde en fait à la fin de chaque live. Hop, Archimède 2. Ok.
Merci infiniment à tous. Donc, alors pour ceux qui étaient Rayland Solo, du coup, pardon, j'ai pas vu si tu m'avais répondu, mais est-ce que ça t'embête si on fait, si on écoute tous ensemble ta reprise de Careless Whisper? T'hésites pas, si ça te fait chier, tu me dis oui et je mettrai une autre chanson. Il y a aucun problème. Je regarde et si j'ai pas de, là, je regarde le chat. Si j'ai pas de réponse de ta part, je mets une autre chanson aussi. Voilà. Et j'écouterai ça dans mon coin. Alors non, go, vas-y, nous dit Rilksat, mais c'est pas toi, c'est toi Rayland Solo, c'est toi Rilksat? T'as changé de pseudo? De rien, Fahrenheit, c'est tout le plaisir était pour moi. Merci à tous, hein, évidemment, de venir suivre ces petits lives. Je vais me remettre en mode loading. Voilà, nous sommes en mode loading. J'ai pas le même pseudo ici? Oui, ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Alors, je vais taper ta chaîne Rayland Solo sur Google. Il y a un clip ou pas avec? S'il y a un clip, je peux mettre le clip aussi parce que j'ai mis un petit truc YouTube. Si jamais tu le sens, t'hésites pas à me dire. Je vais aller voir. C'est tout ça. Je sais pas pourquoi je te demande. C'est con, je pourrais juste taper le truc. J'ai trouvé ta chaîne. Alors, Careless Whisper. Il n'y a pas de clip. Ok, très bien. Donc, il y a une photo, oui. Bon, bah, c'est cool, on va laisser l'audio. Donc, je vous remercie tous. Tous. Vous avez été trop mignons aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est fait avec FL Studio. Très bien. Vrai reconnaissance. Vrai, mon gars. Moi aussi, j'utilise ça. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas, de faire ce live. Ça me fait super plaisir de continuer ces petits lives sur Jurassic Park. Je trouve que c'est cool parce que le rythme du jeu me permet de discuter aussi, de faire un peu des pauses, etc. C'est assez cool, les jeux de gestion, je trouve, à faire en live. Vous me dites ce que vous en pensez. De toute façon, si vous n'aimez pas, je changerai de jeu et on passera à autre chose. Si vous aimez bien, je continuerai ce jeu-là et j'en ferai d'autres aussi parce que, voilà, on s'en fout. Peut-être à ce soir, je sais pas, ça dépendra de si je suis en forme. Ce soir, ce sera tard, hein, je vous préviens immédiatement. Si je reviens, c'est très tard. Et sinon, dans les jours qui viennent, pour du Jurassic World, que je vais couper pour pas qu'on soit parasité, que je vais quitter la partie pour pas qu'on soit parasité par le son du jeu. Donc ça va être c'était très court pour moi comme je viens d'arriver effectivement mais tu peux revoir l'intégralité du live en replay sur Twitch, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouvera sur Blade Runner, on se retrouvera sur Super Mario, on se retrouvera sur des jeux multijoueurs divers et variés dans genre Realm Royal, je pense qu'on va refaire du Realm Royal, je pense qu'on va faire du Spy Party, je pense qu'on fera plein de choses. Je vous fais des gros bisous à tous, encore merci, je vous dis au revoir et on se quitte donc sur Careless Whisper, la chanson de George Michael, remixée par Rayland Solo, que j'embrasse très fort. À toutes, bisous.